Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le remarquer dans l'introduction, il pleut à verse aujourd'hui. Et ce sont les premières pluies de la saison pour moi là où j'habite. Donc je suis super contente de vous faire une vidéo spéciale automne dans ces conditions puisque j'adore la pluie et il y a déjà des feuilles mortes devant chez moi. Donc c'est vrai que je me sens glisser tout doucement vers l'ambiance de l'automne. Cette vidéo est en fait la suite de la vidéo de la semaine dernière puisqu'il s'agit du haul numéro 2 spécial décoration d'automne que j'ai acheté dans le but de décorer ma maison très prochainement. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme la dernière fois, je vais vous montrer des objets que j'ai chinés, soit en brocante, soit sur internet. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer des objets neufs que j'ai achetés spécialement pour l'occasion. Alors, on va commencer par les objets chinés. Et pour démarrer, je vous présente ce pull. Je l'ai mis exprès pour vous, pour la vidéo. Je vais vous le montrer de plus près. Sachez que c'est un pull que j'ai chiné sur Vinted. Je l'ai acheté auprès d'une vendeuse qui était située aux Pays-Bas. Dans son annonce, elle avait mis que c'était un pull vintage. Il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur, donc ça va être difficile pour moi de vous certifier que c'est le cas. Mais je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté surtout parce que je voulais un pull qui ne me coûte pas trop cher étant donné qu'on ne le porte que sur une période donnée. Et en même temps, qui fasse vraiment automne et qui soit dans mes goûts. Et alors, je suis tombée amoureuse de celui-ci. Je vous laisse regarder de plus près, donc je me lève. Voilà, vous voyez qu'il y a un magnifique motif citrouille qui court comme ça tout le long. Vous voyez, c'est pareil au dos, c'est les mêmes motifs. Et c'est clairement pour ce motif citrouille que je l'ai acheté. En dessous, vous avez d'autres petits motifs comme ça. Sur la laine, vraiment c'est un coup de cœur. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je l'adore. Alors il a rien de particulier au niveau du bas, hein. Vous voyez il est tout sobre, mais au niveau du haut c'est là où se situe toute la décoration. Donc je me rassois. Malheureusement je ne vais pas garder ce pull pendant toute la vidéo parce que même s'il pleut des cordes dehors, il fait quand même 23 degrés et j'ai un peu chaud. Désolée mais je vais l'enlever. Par contre, vous aurez l'occasion de le revoir probablement dans les prochaines vidéos automnales. Nous poursuivons avec cette magnifique tasse. Et oui, vous savez que les mugs, c'est mon dada. J'ai craqué sur ce mug, mais littéralement. D'abord parce qu'il a une forme hyper atypique au niveau de la once, au niveau ici des petits pieds. Vous voyez, il a des petits pieds. J'ai adoré ça. Ça m'a rappelé les pieds de champignon, justement, puisque c'est le motif qui est dessus, vous voyez, en relief. Donc, c'est vraiment comme si ça avait été gravé dans de la pierre, vous voyez. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et autre originalité, c'est une tasse carrée. Et oui, vous voyez, la forme est complètement carrée. Donc, j'ai craqué. Alors, c'est pas du vintage à proprement parler. C'est une marque qui existe toujours et qui vend des mugs dans ce style-là, de différentes couleurs. En revanche, celui-ci est une collection antérieure puisque je ne l'ai pas retrouvé sur leur site. Donc moi, comme je l'ai chiné, je ne pourrais pas vous dire de quelle année il date, mais c'est clair qu'il n'est pas très très ancien. Vous voyez ici qu'il y a la marque, il y a écrit Unitied by Blue et vous avez la possibilité de le mettre au lave-vaisselle et au micro-ondes, ce qui est quand même super sympa pour les mugs d'automne, puisque comme on boit beaucoup de boissons chaudes à longueur de journée, à un moment, bah, ça commence à s'empiler quand on a beaucoup de tasses à laver à la main. Donc c'est vrai que je préfère toujours celles qui passent au lave-vaisselle dans cette saison-là. Gros coup de cœur pour cette jolie tasse qui est vraiment très très lourde. Je sais pas en quoi elle est faite, mais si c'est du grès, il est vraiment lourd. Hein. Honnêtement, ça pèse une tonne. Et donc ce que j'aime aussi, vous voyez, c'est qu'elle est tachetée un peu de partout et que ces petites taches sont rugueuses. Donc elles, pareil, elles sont en relief. Et ça, j'adore quand on le prend en main, ce petit aspect rugueux. Ça donne une sensation vraiment comme si on touchait un revêtement naturel, vous voyez, de la pierre ou quelque chose de brut en fait. Et c'est vraiment très très agréable. Je trouve que pour l'automne, c'est parfait. Voilà, donc je suis fan. On reste sur les mugs et cette fois-ci, je vais vous montrer une tasse dans un autre genre que j'ai chiné sur Vinted. Il s'agit de cette petite tasse. Donc elle est moyenne au niveau de la taille, vous voyez. C'est pas une très grande contenance, mais elle n'est pas non plus toute petite. Et en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est que ça reprend un motif en point de croix. Vous voyez, si je vous l'approche,
vous verrez mieux. C'est comme si on avait fait du point de croix sur la tasse et ça c'est super cute, j'adore, je trouve ça vraiment mignon. Et l'inscription Home Sweet Home, vraiment c'est quelque chose qui m'évoque l'automne puisque c'est la saison où on va commencer à coucouner, on va se mettre sous le plaid quand il pleut, on va prendre sa tasse de chocolat chaud ou de thé pour lire au coin du feu un bon livre et c'est vraiment en fait ce que m'évoque la tasse. Alors c'est pas des couleurs ou une thématique profondément automnale, mais c'est vraiment le fait que ça soit en point de croix avec cette inscription Home Sweet Home qui pour moi m'évoque le côté cosy en fait. C'est pour ça que j'ai pris cette tasse parce que au-delà d'une décoration d'automne, c'est surtout l'aspect cosy qui m'a plu et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc vous voyez qu'elle est comme ça tout le long. À l'intérieur, elle est blanche. Il y a une inscription au dos. Il y a écrit Kilncraft STL England. Alors je ne connais pas très bien les marques anglaises, mais ça me dit rien comme ça à première vue. Toutefois, vraiment, ça fait cottage quoi. C'est vraiment cette ambiance cottage anglais qui m'a tout de suite plu. Donc j'ai hâte de boire ma boisson chaude cet automne là-dedans. Après les tasses, on enchaîne maintenant sur les bougeoirs. J'ai de l'eau à vous montrer parce que c'est quelque chose que cette année j'ai adoré chiner. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai été attirée par les bougeoirs cette année. On va commencer par le plus petit format des deux. Ce sont ceux-ci. Alors ce sont en fait des citrouilles. Donc à première vue, vous allez me dire, mais ça ressemble pas à des bougeoirs ça. Mais en fait, si. Vous voyez, au milieu là, vous avez au niveau du centre, je ne sais pas si on dit un pédoncule aussi pour les citrouilles, dites-moi en commentaire si vous êtes spécialiste, pour les tomates on dit pédoncule, là à ce niveau-là je ne sais pas pour les citrouilles, mais c'est au niveau de la tige, vous voyez, vous allez pouvoir insérer une bougie, sauf qu'il s'agit d'une mini bougie comme on faisait beaucoup justement avant, donc il faut acheter des bougies toutes petites pour pouvoir mettre ça après sur votre table, sur une étagère, sur votre table basse, voilà. Après, c'est à chacun de choisir un petit peu comment les mettre en décoration. Et ce que j'aime bien, c'est que même sans bougie, en fait, ça fait déjà un décor. Je sais pas ce que vous en pensez avec ces deux petites feuilles-là. J'adore cette feuille en barbotine comme ça, en relief. Et puis, vous voyez ici qu'on a une continuité de la tige et ça aussi ça m'a fait craquer, donc c'est pareil de l'autre côté, mais vous voyez que c'est pas tout à fait identique parce que ça a été probablement fait à la main et que du coup bah elles sont pas complètement identiques. Il y en a une d'ailleurs, celle-ci me semble plus dodue, plus grosse que celle-là, mais c'est normal parce que bah, quand c'est fait de façon artisanale, la taille, la couleur, voilà, ça diffère un petit peu et je les aime d'amour, voilà, je les adore. Ensuite, on passe à la deuxième paire de bougeoirs, comme je vous l'ai annoncé. C'est un style complètement différent, voilà. Je vous les montre. Déjà, c'est du métal, donc je pense que c'est du laiton, hein. C'est assez lourd, mais je pense pas que ce soit du bronze. Au niveau de la couleur, je dirais plutôt du laiton. Je l'ai acheté sur Vinted. La vendeuse, elle, m'a dit que c'était du bronze. Honnêtement, moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est plus du laiton. De toute façon, c'était un prix plus qu'au correct parce qu'elles ont pas mal de taches. Alors, je pense qu'à la vidéo, ça se verra un peu. Je les ai déjà nettoyées, mais il y a quand même des taches qui sont dues à la cire au niveau de leur utilisation passée. Donc, je vous montre au dos à quoi ça ressemble. Voilà, vous voyez qu'il y a un clou. Donc, ils sont vintage, mais pas hyper anciens non plus. Hein. Mais c'est vraiment la forme qui m'a plu. Cette forme comme ça au niveau des feuilles et la couleur. Voilà, ce côté laiton doré, c'est très chaleureux en automne. J'aime beaucoup mettre du métal comme ça, alors soit du laiton, soit du cuivre qui va être un petit peu plus, vous savez, orangé, rose. Mais les deux métaux, vraiment, je les aime beaucoup pour cette saison parce que je trouve que ça vient apporter un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur, voilà, tout simplement dans la décoration. Donc, je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous voyez, l'autre est identique, hein, mais porter les deux, c'est un peu compliqué. Voilà, ils sont magnifiques, il y a une série de 5 feuilles au-dessus et en dessous on a encore les mêmes 5 feuilles qui se répètent. Alors ça rappelle un petit peu les feuilles de houx, je pense aussi. Ce sont des bougeoirs que du coup je pense utiliser également à Noël très probablement. Et on pourrait même les utiliser toute l'année parce que la couleur se marie très bien avec, avec tout chez vous en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc on va commencer par l'automne et après je pense qu'ils vont me suivre dans ma décoration au fil de l'année. Ce sont ce qu'on appelle des bougeoirs rat de cave, hein, qu'on tient comme ça par lance et qui servaient initialement à se balader dans les caves avec. Donc là, évidemment, ceux-ci n'ont pas été dessinés dans cet objectif. Je pense pas qu'ils soient jamais allés dans une cave, mais ils sont vraiment très très jolis et je les adore. Voilà.
On reste dans le métal pour le prochain objet de décoration, mais en version tout petit. Je vous montre ça. Il s'agit de cette minuscule théière. Je vous la montre de plus près. Il n'y a pas d'inscription dessus, hein. En dessous, c'est vide. Ce qui est sympa, c'est que le petit couvercle s'enlève. Ça, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment la forme de cette théière. Vous savez que j'aime les théières, hein. C'est quelque chose que je vous montre assez régulièrement et j'aime les mettre en valeur quand elles sont en cuivre comme ça, en automne. Et surtout, c'est la baby théière de ma grande théière que vous avez déjà vue l'année dernière dans ma vidéo décoration. Donc, je vous la montre hein, parce que je l'ai prise pour vous la montrer. Alors, comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc voilà, vous avez le bébé et la maman. Alors, celle-ci, vous l'avez déjà vue comme je vous ai dit dans ma vidéo de l'année dernière. Mais je l'ai chiné il y a de ça au moins 15 ans, hein, au moins. C'est une bougeoire en cuivre, hein, cette fois-ci, que j'avais chiné pour mon premier appartement. Et vous voyez que la particularité, c'est qu'en haut, ici, c'est du bois au niveau du manche. Et j'aimais beaucoup sa forme. Et depuis, elle me suit partout dans toutes les maisons que j'ai fait. Et en général, je la ressors en automne-hiver parce que c'est vraiment la saison où j'aime la mettre. En été, j'aime moins. Voilà, c'est une question de goût. Mais c'est aussi parce que j'aime faire des décorations saisonnières. Mais même avant, quand je faisais pas de déco d'automne, c'est vrai que je la sortais plutôt en cette période de l'année. Et là, je suis toute contente d'avoir son petit bébé, voilà, vous voyez, comme ça, qui va la suivre. Elle est trop mignonne. On va rester dans les mignonneries, puisque le prochain objet que je vais vous montrer fait partie aussi des miniatures. Je les ai trouvées en brocante. Il s'agit de ce petit couple d'écureuils. Alors, je sais pas, peut-être la maman, le bébé ou le grand frère, grande sœur avec son petit frère, petite sœur. À vous de décider. Mais je les ai trouvés tellement mignons que j'ai pas pu résister. Voilà, ça m'a coûté vraiment une bouchée de pain en brocante. J'étais ravie, je savais déjà que j'allais les utiliser pour ma décoration d'automne. Ça fait au moins, je pense, 6 mois qu'ils sont dans un bac transparent, vous savez, rangé, en attendant que la saison approche. Et maintenant, je suis trop contente de les ressortir. Donc, je vous les montre de plus près. Ils ont l'air d'être peints à la main. Ils sont très, très fins, très délicats. Donc, je me demande si c'est pas de la porcelaine. Parce que franchement, ça a l'air beaucoup plus fin que de la faïence. Au niveau du dessous, vous voyez qu'il y a un trou. Il n'y a pas de marque. Vous voyez en tout cas qu'ils sont vraiment très bien peints au niveau du détail, etc. C'est très joli. Il tient une petite noisette ici. Il a la patte levée. Voilà, je l'adore. Et le plus petit, lui, il est encore plus choupinet. Donc vraiment, pour vous montrer, il ne fait même pas la taille de mon petit doigt. Il est vraiment minuscule. Je pense qu'il doit faire 4 cm de haut, celui-là. Il a lui aussi une petite noisette à manger, vous voyez. Et il est peint vraiment de tous les côtés avec des rayures, voilà, magnifiques. Voilà, il est exactement pareil que l'autre, en parfait état. Aucun petit accroc, rien du tout. Ils vont venir égayer une petite étagère chez moi sur la déco d'automne. Le dernier objet vintage est lui beaucoup plus massif, vous allez voir. Alors vous allez me dire, ça c'est quelque chose, vous êtes d'accord, que j'aurais pu chiner pour autre chose que pour l'automne. Mais j'avais une petite idée derrière la tête. En fait, je voulais un cadre très très grand puisque à l'intérieur, je voulais pouvoir y mettre une photo ou une affiche format A4. Et c'est pas évident de trouver ça dans les cadres vintage. Et moi, je voulais vraiment que ce soit un cadre ancien. Et du coup, j'ai trouvé mon bonheur sur Vinted auprès d'une Vinti belge qui vendait ce magnifique cadre. Et alors vraiment, c'est un coup de cœur. Je vais vous le mettre de plus près pour que vous voyez un petit peu le travail du bois. Mais vraiment, il est super beau. Donc vous voyez que c'est un bois sculpté et qu'il est ajouré ici, hein. Voilà, hop, vous voyez mon œil. C'est pareil partout au niveau du travail du bois, il est juste magnifique. Alors, dans son annonce, la Vinti a mis que c'était un cadre des années 50, c'est tout à fait possible au vu de la photo qu'il y a à l'intérieur. Donc je l'ai nettoyé, mais je n'ai pas encore enlevé la photo, parce que je voulais vous le montrer un petit peu dans son jus, pour que vous voyez comment je l'avais trouvé. Et la particularité de ce cadre, eh bien vous voyez que c'est qu'il peut se tenir sur un meuble, et c'était un peu mon but puisque je ne comptais pas l'accrocher au mur. Après, je pense que ça peut se bidouiller pour s'accrocher quand même, mais c'est vrai que c'était pas mon optique à moi. Et vous voyez qu'ici il a des crochets, et en fait ça a été bidouillé parce qu'il n'a pas les mêmes crochets partout. En fait, si vous regardez bien, il a des traces de colle un peu partout, et ça c'est un signe aussi que c'était un cadre vintage, tout simplement parce qu'avant, quand on faisait encadrer quelque chose, il n'y avait pas de possibilité de modifier ce qu'il y avait à l'intérieur avec des petits crochets comme ça, comme on a aujourd'hui nous sur les cadres. C'était directement collé avec un papier tout autour qui en fait protégeait aussi la photo qu'il y avait à l'intérieur
et qui évitait que la poussière s'infiltre trop facilement dedans. Là, on voit que ça a été décollé et qu'ensuite ça a été bidouillé pour mettre en fait des petits crochets et pouvoir changer à l'intérieur l'image ou la photo qu'on voulait y mettre. Et ça, en fait, c'est exactement ce que je recherchais. Parce que si vous cherchez de vieux cadres ou si vous avez l'habitude d'en acheter, vous savez qu'en fait, soit c'est complètement fermé, justement, soit c'est ouvert, ça a été ouvert par un tiers, et c'est clouté. Il y a des vieux clous tout rouillés, et c'est très difficile à enlever. Et en général, une fois qu'on met une photo dedans, on n'a plus du tout envie de la changer, parce que c'est assez compliqué à ouvrir et à refermer. Alors que là, bah, le travail a déjà été fait, donc je suis ravie. Et ça va me permettre de pouvoir mettre à l'intérieur ce que je veux en fonction de ma déco, et ce qui était en fait le but de cet achat, puisque je voulais un cadre vintage avec du caractère qui me contienne une affiche A4 et que je puisse changer au gré de mes envies. Donc voilà, mission accomplie, je l'adore, je le trouve magnifique. Je vous montre une petite vidéo qui va suivre pour que vous voyez ce que je vais mettre à l'intérieur et que vous découvriez comment je vais le mettre en valeur. Pour mettre à l'intérieur de mon cadre vintage, j'ai choisi de passer commande chez une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Justine et qui a notamment une chaîne sur YouTube qui s'appelle Justine Duer. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Elle fait d'ailleurs de temps en temps des hauls vintage retour de brocante qui vous plairont à coup sûr. Parmi ses multiples talents, elle est notamment illustratrice et elle a une boutique qui s'appelle Elisabeth Duer. Donc vous voyez ici ses initiales qu'elle a mis également dans ce joli tampon en cire. J'ai trouvé ça trop joli. Au niveau de la présentation, c'est vraiment magnifique. Donc merci Justine pour ce magnifique envoi très soigné. Quand on ouvre comme ceci, on voit déjà l'affiche derrière et un petit mot de la part de Justine. Voici l'affiche que j'ai choisi de mettre dans le cadre. Vous voyez qu'elle est envoyée avec une petite pochette plastique qui vous permettra de la conserver par la suite. Et je vais vous la sortir. Elle est dans un papier vraiment de très très bonne qualité, extrêmement épais. Et vous voyez qu'elle représente tout ce qu'on aime dans cette saison hivernale. Et c'est pour ça que je l'ai choisie. Entre les pumpkins, la châtaigne, la cannelle, ce petit côté gourmand qu'elle a su mettre avec le côté naturel dans son affiche. Vraiment, j'ai craqué dessus. Si je vous montre de plus près, c'est un papier, vous voyez, que vous pouvez planter par la suite et qui n'est pas polluant. Et vous voyez que Justine fait ça bien puisqu'elle vous met ça dans de jolis petits papiers que vous pouvez ensuite réutiliser. Je vous montre maintenant ce que ça va donner et dans voilà, le cadre. Je vous montre ce que ça fait, mise en situation au niveau du cadre et de l'affiche. J'espère que cet encadrement plaira à Justine, vraiment je trouve ça magnifique, ce mélange de modernité et d'ancien. Il est super beau ce cadre, c'est exactement ce que je voulais. Et vous voyez qu'il se marie parfaitement avec mes petits objets. Donc je vous montre, certains sont là tout le temps. Hein. Vous les voyez derrière moi quand je filme, puisque c'est le meuble qui est situé à l'arrière-plan de mes vidéos la plupart du temps. Vous reconnaîtrez certains des objets que j'ai chinés. Et également cette très belle lampe à pétrole de famille. Vous voyez que c'est un abat-jour IKEA que nous avons rajouté parce que l'abat-jour initial était en très très mauvais état et il n'était pas récupérable. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît, ce petit mélange de style entre objets vintage et décorations d'automne un peu modernes, puisqu'aucun des objets automnales de ce décor ne sont vintage. Vous avez ici une guirlande qui vient de chez Action, qui en fait n'est pas vraiment une guirlande, c'est une succession de 4 tiges à la base qu'on met dans un vase que moi j'ai positionné en guirlande. Vous avez ici la citrouille que j'ai achetée l'année dernière. Il s'agit en fait d'une bougie que je n'ai pas utilisée d'ailleurs l'année passée. Et là, vous avez une barbotine que j'ai achetée l'année dernière lors de mon voyage au Portugal et qui est de l'artisanat traditionnel pour lequel j'avais craqué. Et puis bien sûr, le cadre. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était le dernier objet vintage, le cadre, mais en fait non. J'avais oublié un dernier objet que j'ai chiné tout récemment et que j'avais envie de vous montrer. Il s'agit de ceci. Alors il s'agit d'un torchon en fait, vous voyez. Et j'ai beaucoup aimé son motif avec la cheminée. Et vous voyez les cuivres au-dessus
de la cheminée avec le mur en pierre apparent. C'est un torchon vintage qui n'est pas tout récent, vous ne pourrez pas le trouver sur le commerce, mais je l'ai vraiment trouvé trop mignon et il va venir égayer ma cuisine avec les autres cuivres que j'ai déjà. Je trouvais que ça faisait un joli écho, plus le feu de mon poêle qui est situé pas très loin de la cuisine également. Voilà, je pense que ça va faire des petits clins d'œil sympas. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce feu de bois cosy là, un peu rustique. Pour les objets vintage chinés, c'est terminé. On passe maintenant aux objets neufs que j'ai achetés en magasin. Alors, je vais faire assez vite parce que ce que j'ai trouvé, c'est quand même des choses qu'on voit un peu partout sur les réseaux, donc aussi bien YouTube, Instagram, etc. Donc, on commence par du linge de maison et ce sera la seule chose aujourd'hui que je vais vous montrer en linge de maison. Cette fois-ci, il s'agit d'un chemin de table que j'ai trouvé sur H&M et vous voyez qu'il a un magnifique motif citrouille. Alors, il est très long, je ne sais plus, je crois que c'est 1m20 ou 1m50, franchement, je ne sais plus trop, mais je crois qu'il est toujours disponible sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce motif citrouille avec les feuilles. Le fait qu'il soit noir comme ça, je trouvais que ça faisait un contraste sympa avec le bois brut de la table, sachant que ma table a aussi des pieds noirs et que mes chaises sont noires. Alors du coup, je trouvais que c'était pas mal. Je crois qu'ils l'ont sorti depuis en nappe aussi, si ça vous intéresse. Pour poursuivre dans les nouveautés, je vais vous présenter cette couronne. Alors c'est une couronne que j'ai achetée sur Amazon et qui n'est pas d'une qualité folle, mais je le savais en l'achetant, je vous explique. En fait, je voulais une couronne à moins de 10 euros, donc je crois que celle-ci, c'était 9,80 euros, si je dis pas de bêtises. Mais ça fait déjà un mois et demi que je l'ai achetée, donc je ne sais pas si vous la retrouverez, et si vous la retrouverez à ce même prix, surtout parce qu'il y a plusieurs vendeurs qui vendent parfois les mêmes choses sur Amazon, mais pas forcément au même prix, donc il faut être un peu vigilant là-dessus. Je voulais quelque chose avec un prix pas cher, parce que c'est une couronne que je vais mettre sur ma porte à l'extérieur. Et du coup, à cause des intempéries, des insectes et de la possibilité éventuelle que quelqu'un me la pique, hein, ça peut arriver, je ne voulais pas mettre cher. Donc, elle viendra orner ma porte cet automne. Voilà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait plein de baies. Vous voyez, des grosses et des petites de différentes couleurs. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu. Ainsi que les fausses feuilles d'eucalyptus. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien également. Les petites feuilles orangées, là aussi, de différentes couleurs, m'ont beaucoup séduite. Voilà, c'est un peu le camaïeu de couleurs qui m'a plu dans cette couronne et c'est pour ça que je l'ai prise. On va poursuivre avec les couronnes puisque ce que je vais vous montrer maintenant est une couronne beaucoup, beaucoup plus grosse. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux, c'est une nouveauté chez Primark. Et en fait, vous voyez que celle-ci est vraiment très, très grosse par rapport à celle que je vous ai montrée avant. Je ne sais pas combien elle fait en diamètre, mais je pense qu'on est au moins sur les 40-45 cm. Et je l'ai achetée seulement 16 euros à Primark. Donc vraiment une super affaire. Celle-ci, par contre, elle va être à l'intérieur, puisque au niveau de la taille, vous voyez, elle est vraiment beaucoup plus conséquente. Et surtout, les petites citrouilles ici sont en tissu un peu velours. Mettre ça à l'extérieur, si votre entrée et votre porche n'est pas très bien abritée, ça risque de prendre cher. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose que moi, je destine à mettre à l'intérieur. Je la trouve très très belle. Pour la petite histoire, et ça va en faire rire certains, en fait j'ai acheté tous ces articles Primark au Baléares, oui oui vous avez bien entendu, au Baléares, sur l'île de Majorque, dans la capitale à Palma. En fait il y avait un Primark que j'ai vu par hasard lors de mes balades, et en fait je n'ai pas de Primark à côté de chez moi. Vraiment je pense que le plus proche il doit être au moins à 2 heures de route, du coup je n'y vais jamais. Les seules fois où j'achète des articles chez Primark, et ben en général c'est que je les achète à l'étranger, donc ça m'est déjà arrivé, j'en ai déjà acheté dans d'autres pays comme ça. Et donc j'étais super contente parce que j'avais vu la collection d'automne quand je me suis baladée et j'ai acheté plusieurs petites choses. Je pense que c'est à peu près la même collection qu'on a en France, hein. Il n'y a pas une collection différente entre Majorque et la France, mais voilà, c'est juste pour la petite histoire. On commence avec ce mignon petit coussin en forme de citrouille. Il est vraiment tout doux, vous voyez, tout fluffy là. Effet un petit peu bouloché, petite boule de laine, vous voyez. Enfin,
Vraiment trop mignon. Là, on a de la corde qui vient faire la tige avec un joli nœud comme ça. Et franchement, j'ai craqué parce que je trouve que pour un petit prix, elle fait vraiment qualitative et elle est très décorative, qui est la raison principale pour laquelle je l'ai pris. Et donc, au niveau du prix, on est sur 8 euros, vous voyez. Alors, je pense que c'est les mêmes prix au Baléares que en France. C'est pour ça que je vous précise que je l'ai acheté là-bas, parce que si jamais vous le trouvez en France et que c'est un chouïa plus cher, bah écoutez, c'est pas ma faute, moi je l'ai acheté au Baléares, voilà. Mais ça doit tourner dans ces eaux-là, quoi qu'il en soit. Puis Primark étant quand même une grande enseigne internationale, je pense que les prix sont semblables d'un pays à l'autre. Mais voilà, je préfère quand même vous le préciser. Donc vous voyez, elle est vraiment très très bien faite. Et en fait, la couleur est un peu marronnée, voilà, c'est un marron qui tire très légèrement avec une petite pointe d'orange. Les autres choses que j'ai achetées sur Primark, ce sont essentiellement des bougies. Ils avaient une collection de bougies d'enfer et puis ils en avaient au moins une dizaine toutes différentes. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Mais vous allez voir que j'ai choisi un fil rouge au niveau de la forme puisque on est sur les citrouilles. Voilà, je vous avais dit dans l'autre vidéo que on n'a jamais assez de citrouilles. Bah voilà. Là, vous allez voir que c'est tout à fait le cas. Alors celle-ci, c'est une bougie en cire, il n'y a aucun contenant. Donc une fois que vous l'avez brûlée, il ne restera plus rien. Mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que ça vous fait moins de choses à ranger et à stocker pour l'année d'après. Et en même temps, elle est très très décorative. Et si vous ne voulez pas la brûler, bah, vous pouvez aussi la conserver d'année en année. Alors, elle m'a coûté 6 euros et elle existait en deux tailles. Donc il y avait une grande taille comme ça et une plus petite, mais vraiment beaucoup plus petite. Et au niveau des couleurs, il y avait aussi du blanc et il y avait aussi une sorte de prune violet. Et je crois que les petites, si je dis pas de bêtises, étaient à 2 ou 3 euros, je ne sais plus. Moi, j'ai pris uniquement la grande dans cette couleur citrouille un peu rouille, vous voyez. Elle n'est pas hyper orange et elle m'a beaucoup, beaucoup plu parce qu'elle est extrêmement bien dessinée ici au niveau, vous savez, des sillons, hein, de tout ce qui fait un peu la rondeur de la citrouille. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien travaillée. Elle fait un peu gourmande, elle me fait un peu penser à un gâteau. Sinon, c'est censé être une bougie sans odeur. Ensuite, dans un autre style, j'ai trouvé celle-ci également. Alors, celle-là est tout en vert, vous voyez, c'est du vert brun. Je l'ai trouvée vraiment jolie. Elle me rappelle mes petits flacons bruns que je vous ai montrés la dernière fois que j'ai chiné en brocante. Et vous voyez qu'elle a une petite étiquette vraiment toute mignonne avec une citrouille, de la cordelette. Celle-ci, elle m'a coûté 7 euros, il y a le prix en dessous, donc voilà, toujours au prix des Baléares, hein, n'oubliez pas. Mais je pense qu'en France, comme je vous l'ai dit, ça doit être sensiblement pareil. Et ce qui est top, c'est que ça s'ouvre comme ça et que vous voyez ici, c'est étanche. Donc ça, c'est pas mal pour isoler l'odeur de la bougie une fois que vous l'avez éteint. Et c'est aussi pas mal plus tard si vous voulez vous réutiliser le contenu avec quelque chose à l'intérieur pour le protéger. C'est toujours mieux quand c'est étanche. Et puis ça évite aussi que le couvercle bouge trop, vous savez, quand il n'y a pas ce petit joint, eh bien le couvercle a tendance à bouger et vous risquez plus de le casser. Donc voilà, elle a deux mèches, vous voyez. Et au niveau de l'odeur, là ça sent, et moi ça m'évoque pas du tout l'automne, ça m'évoque un peu les toilettes. Oui, désolée. Bon, c'est pas très automnal selon moi. Ça sent la bougie parfumée qu'on peut mettre aux toilettes. Voilà. Bon, je vais pas la mettre dans mes toilettes quand même, elle est trop jolie. Mais c'est ce que ça m'évoque. Après, au niveau du dos, il y a juste écrit orange. Je pense pas que ce soit l'odeur. Parce que moi, je trouve que ça sent pas l'orange du tout. Mais voilà. Sinon, ici, il y a aussi écrit autumn leaves. Donc, ça veut dire les feuilles d'automne. Pareil, je trouve pas que ça sente la feuille d'automne. Mais le contenant est très joli. Pour un tout petit prix, c'est vraiment super abordable Primark là-dessus. Et cette année, sur les collections de bougies, c'est top. Puisque vraiment, on trouvait pas. Même encore l'année dernière, j'ai cherché beaucoup de bougies comme ça avec des contenants. Il n'y en avait pas énormément, donc je suis très contente que cette année, Primark fait l'effort de sortir toute une collection avec des contenants magnifiques comme ça. Et pour cause, je vais vous montrer sa petite sœur. Donc voici la petite sœur de celle que vous venez de voir. Alors celle-ci, vous voyez, le vert est plus travaillé. Il est un peu à effet mercurisé. Je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais il a des taches comme s'il avait été attaqué au mercure comme sur les vieux miroirs. Voilà, c'est un effet de style que j'aime bien, que je trouve très joli et qui lui donne un peu plus de caractère. La couleur est beaucoup plus claire, un peu dorée d'ailleurs. Alors, c'est pas doré, c'est orangé. Mais vous voyez qu'il y a des petits éclats quand même dorés au niveau de la lumière. Et au niveau de l'odeur, on est sur cedar wood et vanilla. Donc, ça sent le bois et la vanille, hein.
tout simplement. Elle a coûté 4 euros seulement, donc franchement, c'est tellement pas cher quoi. 4 euros, comment ne pas craquer? Allez-y, faites-vous plaisir si vous avez un Primark à côté de chez vous. Vous avez la chance d'avoir ce magasin-là. N'hésitez pas, cette année, leur collection d'automne est top. Et ce que je vous montre, c'est seulement un échantillon. Il y a beaucoup plus de choses chez eux, donc ça vaut vraiment le coup. Alors, je vous l'ouvre pour que vous voyez. Donc, c'est une seule mèche, d'accord? Et là, vous voyez, on voit l'aspect mercurisé dont je vous parlais au niveau de l'intérieur. Alors, je préfère l'odeur de celle-ci. Elle est vraiment beaucoup plus gourmande. Et il n'y a pas cet aspect toilette, je trouve. Voilà. Mais elle est vraiment beaucoup plus gourmande, celle-ci. C'est ce que ça m'évoque. Ça m'évoque... c'est la vanille, en fait, qui fait ça. Ça m'évoque un peu plus, voilà, une odeur un peu gâteau... C'est beaucoup plus gourmand et c'est beaucoup plus sympathique, je trouve, comme odeur. Dernière bougie Primark, après promis, j'arrête. Mais il y en avait plein d'autres. Hein, donc, allez vous faire plaisir, allez voir. Il y a vraiment de tout. Il y a des contenus en métal, il y a des contenus en verre. Il y en a sans contenant, comme je vous ai montré au tout début. Enfin, il y a vraiment de tout cette année chez Primark, version pumpkin. Allez-y, hein, elles sont topissimes. Donc, la dernière, c'est celle-ci. Voilà, elle fait un peu cocotte, elle fait un petit peu voilà ce qu'on trouve pour la cuisine et je la trouve trop jolie. Pareil, la petite queue là qui est colorée en marron, les dessins sont bien faits et puis la couleur, voilà, ce bel orangé. Je sens que cette année chez moi il va y avoir plein de camaïeux d'orange, ça va être très joli, enfin j'espère, et j'espère que ça vous plaira aussi quand je vous ferai la vidéo déco. La bougie m'a coûté 7 euros, donc voilà, c'est vraiment, vraiment pas cher. Cette fois-ci on est sur de la céramique, ce n'est pas du verre, d'accord? Elle a aussi un joint d'étanchéité qui permet aussi de maintenir le couvercle. Et vous voyez que c'est une seule mèche. Donc au niveau de l'odeur, là, ça sent vraiment la citrouille pour moi. La citrouille pas épicée par contre. Vraiment plus une citrouille un peu nature. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Alors au niveau de l'odeur, je sais pas. Il n'y a rien d'écrit et celle-ci n'a pas de petit papier, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais voilà, les trois citrouilles que je vous ai montrées ont vraiment trois odeurs différentes. Celle-ci, c'est celle qui se rapproche, selon moi, le plus d'une citrouille nature, on va dire. Voilà, qui est assez légère, d'ailleurs, au niveau de l'odeur. J'ai une autre couronne Amazon que j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Donc, je vous la montre maintenant. Je viens de la repérer sur le coin où j'avais rangé toutes mes trouvailles. C'est cette toute petite couronne. Donc, pareil, comme la dernière fois, je vous en avais montré une qui avait des feuilles et des citrouilles. Celle-ci n'a que des baies qui sont orangées, vous voyez. Elle est très simple, mais je l'aime beaucoup et elle est vraiment en format miniature, vous voyez. Et j'aime beaucoup ce style de mini couronne qu'on peut poser un peu partout. Au niveau du prix, je crois que c'était 7,90 €. En fait, c'est comme l'autre que je vous ai montré la semaine dernière. Je les ai pas achetées en même temps parce que j'avais pas vu celle-là à l'époque. L'autre, je l'ai achetée il y a déjà un mois. Celle-ci, je l'ai achetée tout récemment. Mais vraiment, j'aime les deux. Aussi bien celle de la vidéo de la semaine dernière que celle-ci. Je les trouve vraiment très belles et j'aime qu'elle soit simple aussi celle-là, qu'elle n'ait pas trop de fioritures. Ça vient un peu contrebalancer certaines couronnes qui sont très chargées comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure par exemple. Alors maintenant on change de thème, on passe aux champignons. Alors l'année dernière, en fin de saison, je suis allée faire mes courses chez Carrefour et comme c'était la fin de la saison d'automne, qu'on passait aux décorations de Noël, ils ont mis en promo des petites décos qui restaient et donc j'ai craqué sur ces tout petits champignons, tout mignons. Donc voilà, ils sont vraiment petits, hein, vous voyez, au niveau de la taille. Mais je les ai trouvés très très mignons. Et c'est ce qu'on trouve un peu partout. Je les trouvais juste un petit peu mieux faits que chez Action, par exemple, au niveau de la forme. Que je trouvais vraiment très sympa pour mettre sur des étagères, pour faire une petite déco d'appoint, voilà. Mettre quelques touches qui font penser à l'automne sur une étagère, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, je les ai payés, alors je sais plus, hein, mais c'était l'année dernière. Je pense que celui-là devait être à 1,50 € et celui-là à 1 €, parce que c'était la fin de saison. En fait, ils en valaient le double, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, c'était pour vous les montrer, puisque l'année dernière, l'automne était déjà fini quand je les ai achetés. Et du coup, bah, cette année, c'est la première fois qu'ils vont prendre place dans ma déco chez moi. Ensuite, pareil, des petites bricoles que j'ai trouvées comme ça l'année dernière. En fin de saison, j'avais pas pu du coup vous les montrer, puisqu'on passait déjà aux décorations de Noël.
Je les ai trouvés cette fois-ci chez Sostrengren. Il s'agit de ces petits emporte-pièces en forme de champignons. Donc voilà, ce qui est sympa, c'est qu'on peut les insérer l'un dans l'autre si on veut au niveau de la déco. Donc je pense que c'est comme ça d'ailleurs que je le mettrai peut-être sur une étagère. Et en fait, l'année dernière, si vous avez vu ma vidéo de déco, vous avez vu que j'avais pas mal de petites emporte-pièces rigolos parce que j'aime bien ça avec mes filles. On fait des gâteaux rigolos et les emporte-pièces, quand je m'en sers pas, je les laisse en déco. Donc l'année dernière, j'avais un fantôme, j'avais une citrouille, j'avais un jack-o'-lanterne aussi. Enfin voilà, j'aime bien avoir plusieurs formes comme ça rigolotes en fonction de la déco de l'année. Et donc j'étais contente de trouver ces petits champignons pas chers parce que mine de rien, ça coûte cher ces petits emporte-pièces rigolos par rapport à des emporte-pièces classiques. Et chez Sostrengren, c'est vraiment abordable. Alors là, je ne vais pas vous dire les prix parce que je m'en souviens plus du tout. Je ne sais pas s'ils les font encore cette année. Il faudra aller sur Sostrengren regarder. On va passer aux derniers objets que j'ai à vous montrer. Il s'agit d'un lot que j'ai trouvé dans une enseigne qui s'appelle Mathilde M. Alors je les ai achetés sur internet et vous voyez que c'est une paire. En fait, ça s'achète séparément. Vous pouvez acheter soit la grande couronne, soit la petite couronne, mais moi j'ai choisi de prendre les deux parce que j'ai une idée bien précise de l'endroit où je vais les mettre. Je vais vous montrer la plus grande d'abord. À la base, c'est pas forcément une décoration automnale, vous pouvez vous en servir toute l'année et pour toutes les décos que vous voulez. Mais justement, ça va me servir de base pour ma déco automnale et aussi pour le reste des autres décos que je vais faire dans l'année. En fait, pour être précise, ça va me servir 6 mois de l'année. Pourquoi ? Bah parce que je vais les mettre au-dessus de mon poêle. Il faut savoir que j'ai un poêle à granulés et que ce poêle à granulés chauffe beaucoup, notamment au-dessus. Donc je ne peux rien poser dessus. Et ce que j'accroche au mur au-dessus ne doit pas être inflammable. Dans l'idéal, il ne faut donc pas du bois ou du bois alors très très épais. Hein, et il ne faut pas non plus de plastique qui pourrait chauffer et prendre feu. Donc du coup, aujourd'hui, il y a au-dessus de mon poêle des petites hirondelles en céramique que vous avez probablement déjà aperçues dans les différentes vidéos que j'ai pu faire. Et j'ai décidé de les remplacer 6 mois de l'année par ces deux couronnes. Ce que j'ai aimé, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'elles sont un petit peu passe-partout. De mémoire, c'était 20 € celle-ci. Et celle-ci, je crois que c'est 30 € ou 32 €, je ne suis plus sûre. Dans tous les cas, je vous invite à aller plutôt les acheter sur le site de Mathilde M. Non pas que je sois sponsorisée par le site, hein, j'ai tout acheté avec mes sous, mais parce que tout simplement, je me suis rendu compte en faisant des recherches sur internet pour voir notamment si je les trouvais en promotion sur d'autres sites, qu'en fait, c'était l'inverse. Sur les autres sites, sur les revendeurs en fait, hein, elles sont plus chères. Donc vous allez avoir facilement 5 € de plus sur chaque couronne dans tous les autres sites partenaires de Mathilde M qui font office de revendeurs de la marque. Donc optez plutôt pour le site officiel Mathilde M pour les avoir un peu moins chers. Sachez qu'en plus la livraison est gratuite à partir de 60 € d'achat. C'est une marque, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a un style un peu shabby chic, hein, vous savez, plutôt dans les tons neutres, du bois, du doré, du brut aussi, vous voyez des couleurs assez naturelles. Ces couronnes sont toujours disponibles, c'est une collection qui était déjà là je crois l'année dernière, hein. Je pense que ça se vend très bien et que c'est quelque chose d'intemporel que le site vend quelle que soit la saison. Donc ça pourra vous servir aussi bien comme moi là pour l'automne, que pour Noël, que pour le printemps, pour Pâques. Enfin vraiment après il suffit d'accessoiriser autour avec les objets qui sont connotés soit automne, soit Noël, soit tout ce que vous voulez en fait, ou alors les laisser nature si ça vous plaît. Moi en tout cas je suis vraiment fan des couronnes en métal, c'est pas les premières que vous voyez sur ma chaîne, parce que bah ça prend pas beaucoup de place, ça s'abîme pas, et pour ranger donc d'une année sur l'autre, bah, c'est beaucoup moins prise de tête si ça ne se casse pas et si en plus ce n'est pas volumineux. Donc voilà, j'adore. Hop, vous voyez, c'est un très joli cadre aussi si vous voulez mettre une photo à l'intérieur, mais vraiment c'est un gros coup de cœur pour ces deux objets. Je vous montre une vidéo où je les mets un peu en scène pour que vous voyez comment je vais un peu les agencer et on se retrouve juste après. Alors voici le coin où il y a mon poêle à bois qui se situe entre ma cuisine et ma salle à manger. Et comme vous pouvez le constater, c'est un style un peu industriel avec du noir et du blanc, quelques touches de bois également, comme sur cette étagère que vous voyez vide, parce que tout simplement je l'ai acheté cet été pour la mettre à cet endroit-là, et comme je l'ai montée à mon retour de vacances il y a quelques semaines, début septembre, eh bien j'ai décidé de la laisser vide dans la perspective
de la décorer spécialement pour l'automne. Je l'ai acheté chez Atmosfera pour le prix de 24,95€. Vraiment, c'est pas cher, la qualité est tout à fait correcte pour ce prix-là. Et je suis ravie parce qu'elle vient trouver son petit coin dans la cuisine. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous montrer l'étagère, mais le coin qui nous intéresse, en fait, c'est celui-ci-là, puisque vous voyez qu'il y a des petits oiseaux qui sont des hirondelles en céramique que j'ai acheté à Lisbonne il y a de ça plus de 10 ans. Comme elles sont en céramique, elles ne craignent pas la chaleur du poêle, puisque ici, je ne peux rien poser dessus, étant donné que la chaleur sort par là, que ça, c'est bouillant quand le poêle chauffe longtemps. Il y a également de la chaleur de ce côté-ci. En fait, le seul côté qui n'est pas brûlant sur le poêle, c'est de ce côté-là. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a ma prise aspirateur à main de ce côté-ci, parce que ici, ça ne craint rien. Mais sinon, tous les autres côtés émettent de la chaleur. En même temps, c'est un petit peu ce qu'on demande à un poêle. Et donc, c'est ici que je vais changer et mettre les couronnes que je vous ai montrées de chez Mathilde M. Et voilà ce que ça donne maintenant pour l'automne. Vous voyez en haut les deux couronnes Mathilde M, agrémentées des deux petites couronnes miniatures que j'ai achetées chez Amazon et qui sont toutes les deux différentes au niveau du motif. Voilà, cette vidéo est à présent terminé. J'espère que ma sélection d'objets vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires sur la précédente vidéo, parce que la première sélection du haul numéro 1 spécial automne vous a beaucoup plu apparemment. Et franchement, sachez que ça me touche beaucoup tous vos messages et que je réponds à tous les messages. Parfois, ça prend un peu de temps, mais je mets vraiment un point d'honneur à répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de m'écrire sur cette vidéo et de me dire ce que vous avez pensé de ma deuxième sélection. La prochaine vidéo sera normalement la vidéo décoration home tour. Donc là, je vais vous montrer ma déco en place chez moi, dans la partie du bas, c'est-à-dire mon salon, ma salle à manger, mon espace poêle, vous savez que je vous ai déjà montré, mon entrée, mon mur de cartes que vous aimez bien en général, et ma cuisine. Abonnez-vous pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous et à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt !